Aljustrel, quartier du village de Fatima, au Portugal, en 1917. 100 ans plus tard, le sanctuaire de Fatima est devenu une ville, une basilique, une église parmi les plus grandes du monde. 15 hôtels de prière, une chapelle, 4 millions de pèlerins chaque année. Que s'est-il passé? Comment une prairie perdue est-elle devenue en une centaine d'années un des principaux lieux de culte catholique? Tout débute avec cet enfant, Lucy dos Santos, âgée de 10 ans en 1917. Lucy et ses deux petits cousins auraient été témoins d'apparition de la Vierge Marie. Ceci va sanctifier le site de Fatima à tout jamais. Pourtant, il ne s'agissait pas des premières apparitions mariales. Que s'est-il passé de différent ici? Qu'y avait-il de spécial avec la jeune Lucie? Aucune apparition de la Vierge est aussi insistante. C'est passé vraiment quelque chose d'énorme ce jour-là. En 1917, la Vierge Marie a donné à la petite Lucie un message contenant 3 prophéties, 3 secrets pour l'avenir de l'humanité. Afin de donner une preuve de sa réelle présence et montrer l'importance de ce message, la Vierge a annoncé et réalisé un miracle. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où vous avez la Vierge qui convoque, qui dit « je vais faire un miracle tel jour, telle date ». Plus de 70 000 personnes, habitants de la région, pèlerins, curieux, journalistes et photographes, sont venus et ont assisté à une incroyable danse du soleil. Un soleil extraordinaire, une plaque argentée, quelque chose qui est totalement inconnu des astrophysiciens. La jeune Lucie devient aussitôt prophète pour les fidèles de l'Église, une envoyée de Dieu. Mais pour l'Église, elle est immédiatement encombrante. Pour l'Église, il était souhaitable de les mettre un peu à l'écart. À 14 ans, elle entre au couvent pour ne plus jamais en sortir. Elle change de vie, de nom. Elle porte à l'écrit les prophéties des apparitions, mais jusqu'à sa mort, à 97 ans, elle se battra pour que les papes, très réticents, révèlent le tout dernier message de la Vierge Marie. Les 2 premières prophéties ont pourtant été éprouvées et vérifiées au cours du XXe siècle. La Vierge Marie a annoncé la Seconde Guerre mondiale et l'URSS communiste avec des dates précises. Beaucoup de papes ont eu accès aux derniers secrets de Fatima, mais n'ont jamais voulu le révéler, ni même rencontrer Lucie pour en parler. Jamais le Saint-Siège ne laisse de côté une apparition de la Vierge. Alors pourquoi se taire? Quel est ce secret ourdi par les papes et qui a poussé le Vatican à réduire Lucie au silence? Tout est mystère. Tout semble caché. La mort de Sœur Lucie, un cardinal du Vatican s'est précipité et a fait sceller la porte de sa cellule comme si c'était le lieu d'un crime. Après sa mort, nous avons retrouvé d'autres de ses écrits qui sont actuellement en cours d'étude. Nous allons vous raconter l'histoire d'une femme que sa hiérarchie ne voulait pas écouter. L'histoire d'un message que tout le monde redoute d'entendre. L'histoire d'une prophétie funeste qui est en train de se réaliser. En 1917, la Première Guerre mondiale fait rage en Europe depuis déjà 3 ans. C'est une période extrêmement intense. C'est le moment peut-être le plus désespéré de la guerre, où on pense qu'elle ne finira jamais. Et le Portugal n'y échappe pas. Depuis le 9 mars 1916, les soldats portugais sont sur le front et combattent l'Allemagne. On a le sentiment que Dieu abandonne les siens. Qu'est-ce que c'est que cette guerre épouvantable? 1917, des millions d'hommes vont s'entretuer, les yeux dans les yeux, avec une cruauté monstrueuse. Entre 1915 et 1917, c'est en pleine guerre mondiale. C'est important car les messages de la dame ont concerné la guerre et la paix, ont concerné l'enfer et les flammes de l'enfer. C'est en effet pendant cette période de troubles profonds que l'histoire des secrets de Fatima commence. Dans le sud du Portugal, dans un village, 3 enfants qui n'avaient guère fréquenté l'école, qui ne savaient pas vraiment lire ni écrire, ont eu des apparitions. D'un ange, puis d'une dame blanche.
Jacinthe, qui vient d'avoir 7 ans, son frère François, 9 ans, et leur cousine Lucie, 10 ans, vont être les témoins les plus jeunes et les plus médiatisés d'apparition de la Vierge Marie. C'est extrêmement classique dans les apparitions de la Vierge, qui prend des enfants, c'est-à-dire vraiment l'innocence absolue, ceux qui ne pourront déjà pas pervertir le message. Les témoins de Fatima sont fragiles. Ce sont trois enfants analphabètes qui venaient d'un petit village en haut d'une montagne. Ils ne savaient rien sur le monde, sauf qu'il était en guerre, et ce parce qu'ils avaient de la famille engagée dans le conflit. François, Jacinthe et Lucie vivent ici, dans ces petites maisons. Leur quotidien est aussi simple que leurs conditions de vie, s'occuper des brebis et aller à la messe. Les petits bergers, les trois, sont très très pieux. Ils ont une éducation catéchétique. On leur apprend sans arrêt le sacrifice. Et quand ils voient que les brebis ont faim, ils donnent leur goûter. Ils ont une notion très profonde du péché. Lucie, la plus âgée, est différente. Elle manifeste très tôt l'envie de prier, d'aller à la messe. Dès l'âge de 6 ans, elle commence à apprendre et réciter ses prières sur son chapelet. Nous sommes en 1915. Alors qu'elle fait paître seule ses brebis, Lucie va faire une rencontre hors du commun, la première d'une longue série. Et cela va changer sa vie. Il faut bien se situer que toute très très jeune avait eu, dès 1915, donc 2 ans avant les apparitions de 1917, il y a eu un premier ange, enfin, elle l'a appelé après un ange, mais elle n'était pas très sûre, qui lui est apparu et qui lui a demandé de rester dans la prière, dans la confiance au Seigneur. Dès son retour chez elle, Lucie s'empresse d'en parler à sa famille, mais personne ne la croit. Pourtant, elle sait ce qu'elle a vu, elle en est certaine. Elle réussira cependant à convaincre ses deux petits cousins, François et Jacinthe, qui seront là lors des apparitions suivantes. L'année suivante, de nouveau, l'ange est apparu à 2 reprises. Et pareil, il lui a dit de continuer de prier, de continuer d'approfondir sa foi avec ses deux cousins. L'ange, qui se fait appeler l'ange du Portugal, leur annonce la venue prochaine de la Vierge Marie. Il souhaite les préparer à cet événement. Les enfants sont préparés par l'ange, qui fait apparaître par exemple un calice. Et les enfants sont complètement éclatés parce que ça les amuse, parce qu'ils ont l'impression d'être au cirque. Il donnera la communion aux enfants avant de disparaître. Désormais, ils sont 3 à connaître la vérité. L'année suivante, le 13 mai 1917, Lucie, Jacinthe et François promènent leur troupeau de brebis sur les prés de la Cova da Iria, à côté de Fatima. Et soudain, il y a un coup de tonnerre. Ils pensent qu'il va y avoir un orage, ils veulent se mettre à l'abri, et ils voient une grande lumière et une dame dans cette lumière. Nous étions en train de jouer, François, Jacinthe et moi, quand soudain nous vîmes sur un petit chêne vert une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. Nous nous arrêtâmes, surpris par cette apparition. Il est midi quand cette dame s'adresse à Lucie. Elle leur demande de revenir le 13 juin à la même heure, mais de ne le dire à personne. Tous les 13 du mois pendant l'année 1917, Marie va apparaître sur cette colline de la Justérelle. Et puis Jacinthe est tellement éblouie par l'apparition, est tellement heureuse, qu'elle ne veut pas tenir sa langue, c'est une petite fille de 8 ans. En rentrant au village, la petite Jacinthe en parle quand même à ses parents. En quelques heures, tout le village est au courant. Le mois suivant, le 13 juin 1917, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui accompagnent les 3 petits bergers. Ils les voient en transe, récitant le chapelet, mais ne perçoivent aucune apparition. Lucie, François et Jacinthe voient la Vierge Marie et écoutent ses demandes. Elle insiste notamment sur l'importance de la prière et de la dévotion. Mais la Vierge va faire aux enfants une terrible annonce. J'emmènerai bientôt François et Jacinthe au ciel. Mais Lucie, tu resteras encore ici quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Vendredi 13 juillet 1917. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agira d'une date cruciale pour la jeune Lucie. Tous les événements qui vont suivre découlent de ce jour précis.
La Dame en blanc apparaît comme les autres fois. Plus de 4000 personnes assistent à l'événement sans pour autant voir la Vierge Marie. Elle s'adresse, comme à chaque apparition, à Lucie. Je veux que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la fin de la guerre et la paix dans le monde. C'est au cours de cette manifestation que l'apparition confie un secret aux enfants. Un secret en trois parties. Une prophétie qui va se réaliser au cours des décennies qui vont suivre. Une prophétie très précise en termes d'événements et de dates. Le 10 août 1917, l'administrateur du canton, Arthur d'Oliveira Santos, connu pour son anticléricalisme, demande à voir les trois enfants et les interroge sans succès. Le 13 août 1917, sachant que des milliers de personnes attendent les enfants pour aller parler à la Vierge, Arthur Santos fait enfermer Lucie et ses deux cousins pour trouble à l'ordre public. Il est très clair qu'on a voulu faire peur aux enfants en les mettant quelques jours au cachot. Parce que les responsables locaux n'étaient pas du tout favorables à ces apparitions, parce qu'ils craignaient des troubles à l'ordre public et probablement aussi parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de foi catholique. Le policier était franc-maçon. Et le gouvernement régional voulait absolument qu'on arrête cette mascarade. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un État laïque, anticlérical, un État franc-maçon donc, qui lutte ouvertement contre toutes les formes de religion. Pendant ce temps, presque 18 000 personnes sont au rendez-vous du 13 août 1917 sur la Covada Iria. Les gens ont vu des phénomènes lumineux. Et puis un coup de tonnerre aussi, alors que le ciel était parfaitement dégagé. Donc, comme si la Vierge voulait montrer qu'elle était quand même là, même si les enfants n'étaient pas là. Ce sont des enfants qui ont été mis en prison. En conséquence de quoi, Lucia a supplié la Vierge de donner un signe. C'est à regret et sous la pression populaire que l'administrateur les relâche le 15 août 1917. Les trois sont rapidement sortis de prison. Ces enfants, ensuite, n'ont plus été inquiétés. Et le dimanche 19 août, alors que les enfants font paître leur troupeau sur la Covada Iria, la Vierge leur réapparaît. Lors de l'apparition du 19 août, Sœur Lucie dit à la Vierge, « Tu dois faire un miracle pour que tout le monde nous croit. » Et la Vierge lui répond, « Sois tranquille, le 13 octobre, il arrivera quelque chose. » Deux mois plus tard, nous sommes le 13 octobre 1917, date à laquelle la Vierge a promis un miracle. Le fait le plus important de Fatima n'est pas vraiment la date du 13 mai 1917, contrairement à ce que les gens disent. C'est bien la date du 13 octobre, le miracle du soleil. Le jour J, la police était là, l'armée était là, parce qu'ils étaient persuadés que les enfants allaient se faire massacrer, parce qu'il ne se passerait rien. Vous avez eu 70 000, 80 000 personnes qui se sont rassemblées sur un champ, parce que la Vierge les avait convoquées quasiment 60 ou 90 jours à l'avance. Il y a eu des foules entières qui sont venues, des choses manifestes qui se sont passées ces jours-là. Il y a eu des événements historiquement enregistrés, vus. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cela avait été annoncé. Il allait se produire quelque chose le 13 octobre. Il pleuvait depuis le début de la matinée. Le sol était humide. Et sous un ciel gris, les plus croyants comme les plus sceptiques et même la presse étaient présents sous leur parapluie. Il a plu de manière absolument épouvantable au cours de la matinée. Et le ciel était gris, était très bas. Et d'un seul coup, ça s'est ouvert. Les gens regardaient en l'air. Et tout à coup, le soleil s'est mis à bouger et ensuite se précipiter sur eux. Les spectateurs ont rangé leur parapluie et ils purent admirer l'étrange ballet d'un soleil devenu mobile qui, en se rapprochant du sol, fit tout sécher, vêtements et boue. Un soleil assez extraordinaire, une plaque argentée, quelque chose qui est
totalement inconnu des astrophysiciens. Au moment de l'apparition, tout s'éclaire. Le ciel redevient bleu. Le soleil continue à bouger durant 10-15 minutes. Il monte, descend et fait plusieurs rotations. Et ensuite, le soleil est revenu à sa place. Et l'événement a été vu, certains disent, à 4 km, d'autres à 60 km à la ronde. C'est comme si ça allait au-delà de l'hypnose, parce que tout le monde l'a vu. Donc, impossible d'hypnotiser toute une région. Et si nous avons autant de souvenirs précis de ce 13 octobre 1917, c'est que la presse était là, et en particulier Avelino de Almeida, journaliste anticlérical et rédacteur en chef du quotidien de Lisbonne, O Século. Le seul article notable à l'époque est celui d'un journaliste qui s'est déplacé le 13 octobre 1917, dont l'objectif était de démystifier ce qui se passait à Fatima. Afin qu'il puisse dire, au final, tout n'est que mensonge. Les enfants sont en train de tout inventer. Mais Avelino de Almeida, qui avait publié le matin même un article ironique sur cet événement, va lui aussi être le témoin du miracle du 13 octobre. Le papier de El Seculo est extraordinaire parce que c'est un témoin absolu d'une honnêteté rare en disant qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'énorme ce jour-là. Et les enfants n'ont pas été massacrés, au contraire. On voit les photos, le photographe qui était là. On voit les gens agenouillés dans la boue. C'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé là. On peut pas aller à l'encontre de ces photos qui sont un témoin extraordinaire d'un événement que les gens ont vu. Avelino de Almeida a écrit et publié dans le journal O Século le 15 octobre et l'on assiste alors à un spectacle unique et incroyable pour tous ceux qui n'en furent pas témoins. Le soleil rappelle une plaque d'argent mat, il n'aveugle pas, on dirait qu'il se produit une éclipse. Trois bergers, six apparitions, un secret et surtout un miracle. La Vierge Marie a voulu que tous croient les enfants et que tous les hommes croient en elle. La seule fois dans l'histoire de l'humanité où vous avez la Vierge qui convoque, qui dit « je vais faire un miracle tel jour, telle date ». Aucune apparition de la Vierge est aussi insistante. Ce miracle a été réalisé pour appuyer le message du 13 juillet 1917, les révélations faites à Lucie pour sauver les hommes. Le 13 juillet 1917, la Vierge de Fatima a donné aux trois petits bergers un secret, une prophétie que Lucie devra communiquer aux hommes seuls. En effet, la Vierge a prédit la disparition prématurée de ses deux cousins. Et elle dit, je viendrai bientôt chercher François et Jacinthe, mais toi, tu resteras pour un certain temps, parce que tu as encore quelque chose à faire pour moi, tu as une mission. Jacinthe et François passeront les deux années qui vont suivre à prier pour les hommes et vont même en guérir beaucoup. Mais comme annoncé, le 4 avril 1919, François meurt dans son lit et le 20 février 1920, Jacinthe meurt seule dans un hôpital de Lisbonne. Sur les trois enfants, deux sont morts de la grippe espagnole en 1919-1920, alors que la troisième, Lucie, a vécu jusqu'à 97 ans, et par conséquent, il est très clair que c'est sa parole à elle qui va émerger. En 1920, Lucie n'a que 13 ans, mais a déjà sur ses épaules une énorme responsabilité, transmettre les révélations de la Vierge pour sauver les hommes. Mais la révélation doit se faire en douceur, c'est un secret. Lucie doit faire comprendre les messages de la Vierge de Fatima sans les révéler. En principe, ça ne devait pas être révélé, mais il y a déjà eu des indiscrétions dans la famille, des voyantes. Ensuite, ça a été révélé à partir de 1942. Pourquoi 42 ? Peut-être parce que c'est la guerre, tout simplement, de nouveau. En effet, les révélations concernent la guerre et la paix dans le monde et comment sauver l'humanité. À Fatima, ce qui compte, c'est le message qui s'ordonne autour de la pénitence, autour de la paix, autour du risque
de la punition, de l'enfer, du jugement dernier, mais aussi de la possibilité d'y échapper. Dans la première partie du secret, la Vierge Marie a montré à Lucie et ses cousins une vision proche de l'Apocalypse de Saint Jean. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu, et plongée dans ce feu, les démons et les âmes avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie et retombaient de tous côtés, avec des cris et des gémissements qui horrifiaient. Si notre bonne mère du ciel ne nous avait pas promis de nous emmener au ciel, je crois que nous aurions été morts de peur. La première partie du message, c'est vraiment une mise en garde contre le mal qui est en train de monter, contre l'enfer qui existe vraiment, les flammes, la damnation éternelle, la brûlure sans cendre, etc. qui fait peur à ses enfants d'ailleurs. Les flammes de l'enfer, c'est un grand classique. Partout, on rôtit dans les flammes de l'enfer. Donc ça, c'est la vision traditionnelle. Et puis, il y a le feu de la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler qu'en 1917, on était en pleine Première Guerre mondiale. Donc il y avait beaucoup de craintes de la population portugaise pour tous les soldats qui étaient partis au front. En avril 1917, le premier soldat portugais est mort sur le front de la Somme. Et donc ça a provoqué un choc dans le pays. C'est une période extrêmement intense. C'est le moment peut-être le plus désespéré de la guerre, où on pense qu'elle ne finira jamais. Et les enfants disent, écoutez, peut-être il faut prier, peut-être il faut faire pénitence. Ce premier secret concerne donc la Première Guerre mondiale qui ne finira que si les hommes se mettent à prier pour leurs âmes. Sinon, ils iront en enfer. C'est une prédiction qu'on peut qualifier de classique, que l'on retrouve dans d'autres apparitions de la Vierge. Sauf que la deuxième partie de la révélation va être beaucoup plus précise. Elle donne par exemple les moyens d'échapper à cet enfer. Elle demande d'abord la dévotion à son cœur immaculé comme intercession pour la paix. Cette protection dans le cœur de Marie, c'était pour dire ceux qui se confieront à moi, ceux qui prieront, ne risqueront rien, ne mourront pas, ne seront pas pris par le mal. Et ensuite, y a peut-être le moyen de ne pas aller en enfer ou d'en sortir, c'est-à-dire la paix, la conversion, la prière et puis la Russie qui est en train d'abandonner la foi chrétienne pour le communisme. La Russie. Ce pays est bien mentionné dans la deuxième partie du secret de Fatima. La Vierge Marie met la Russie en cause dans la paix future des hommes. Elle est même encore plus précise. Si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, commencera une guerre pire encore. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres. Diverses nations seront détruites. Après cette consécration au corps de Marie, on s'est rendu compte que Marie avait demandé ça aussi pour la Russie tout entière, en disant que c'est à cause de l'erreur de la Russie qu'il y aura de nouveau un grand conflit mondial. La Vierge prédit en effet la Seconde Guerre mondiale si la Russie persiste dans ses erreurs. Si vous ne changez pas d'attitude, vous allez tous vous entretuer jusqu'au dernier. Elle promet même un signal d'alerte qui sera visible par tous les hommes, tout comme le miracle du 13 octobre 1917 à Fatima. Et elle dit: je ferai un miracle que tout le monde pourra voir, pour croire. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre. Et ce signe, tout le monde l'a vu. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1938, une lumière rouge des plus étranges a été vue dans toute l'Europe, au Canada, en Afrique et en Asie. Deux mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale commençait avec l'annexion de l'Autriche par les Allemands. Et on a vu malheureusement ensuite la Seconde Guerre mondiale. La Shoah. La bombe atomique. Les drames des totalitarismes nazis, staliniens, qui à chaque fois ont voulu la grandeur de l'homme avec un grand H. Ont voulu supprimer Dieu, et en supprimant Dieu au nom de l'homme avec un grand H, ont massacré des millions et des millions et des millions d'hommes. Comment ne pas être troublé par ces événements? La Russie est pour la Vierge la source de la guerre ou de la paix à venir.
elle annonce le mal que va faire au monde la Russie. Quelques mois après ces révélations à Lucy, en octobre 1917, la révolution bolchevique va transformer la Russie pendant plus de 70 ans. Il y a eu un régime athée qui s'est installé en 1917 en Russie et qui a vécu jusqu'en 1990. Un système politique qui veut créer le paradis sur Terre et qui, pour créer ce paradis sur Terre, va dire « l'ennemi de l'homme, c'est Dieu. L'ennemi de l'homme, c'est la religion. » Les enfants n'ont pas pu inventer cette histoire. Mais seulement en mai 17, et la révolution est en octobre. Or, elle le décrit avec force conviction, or c'est impossible que cette chose ait été inventée. Lucy et ses cousins étaient totalement ignorants. En 1917, ils ne pouvaient imaginer que la guerre se terminerait, et aucun ne savait ce qu'était la Russie. La petite Jacinthe ne sait pas ce que veut dire le mot Russie. Et son frère, François, lui dit, c'est probablement la conversion de la tante Rosa. Finalement, c'est le curé qui veut comprendre ce que c'est la Russie. Les enfants n'ont donc rien inventé. Les prédictions de la Vierge sont étonnamment justes. Elle annonce enfin que si la Russie se convertit, la paix reviendra dans le monde. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père consacrera la Russie qui se convertira. Il sera concédé au monde un certain temps de paix. Après, en 1984, c'est ce qui s'est fait. Cinq ans après, c'était la chute du mur de Berlin. Et en 1991, le bloc soviétique s'est effondré, comme la Vierge Marie l'avait prophétisé à Lucy le 13 juillet 1917. C'est plus que troublant. Une petite Portugaise de 10 ans, Lucy dos Santos, voit de nombreuses fois au cours de l'année 1917 la Vierge Marie qui lui révèle des prophéties très précises, des événements qui vont véritablement se dérouler. Les deux premières parties du secret sont donc très crédibles. La première partie du secret dit « la guerre va finir, on est en 1917 et la guerre finit en 1918 ». La seconde partie du secret, qui était la conversion de la Russie, s'est aussi produite. Comment ne pas penser que la troisième partie du secret est tout aussi crédible et qu'elle risque elle aussi de se réaliser? La troisième partie, c'est le seul point qui est difficilement perceptible. La dernière partie a fait l'objet de nombreuses interprétations. Selon Lucy, la Vierge Marie lui aurait demandé de ne pas révéler ses messages, en particulier ce troisième secret, avant l'année 1960. Après la mort prématurée de Jacinthe et de François, Lucy se retrouve seule dépositaire des trois secrets de Fatima. Et tout le monde, du grand public au Vatican, va tenter de lui arracher ses secrets. La seule issue pour Lucy sera de gré ou de force l'isolement. Lucia de Jesus Rosa dos Santos naît le 22 mars 1907 à Aljustrel, près de Fatima. Elle vit dans cette petite maison avec ses cinq frères et sœurs. Ses parents sont très croyants. C'est son père qui lui apprend le signe de croix et sa mère qui lui fait le catéchisme dès son plus jeune âge. Lucie va tout de suite aimer Dieu. Elle souhaite dès l'âge de 6 ans faire sa première communion à l'église de Fatima. Tout d'abord, le curé refuse, mais voyant sa tristesse et sa dévotion précoce, il finit par accepter. C'est sûrement une enfant qui, toute très très jeune, avait eu une vie intérieure profonde, alors qu'elle savait pratiquement, elle n'avait pas été catéchisée, elle savait un tout petit peu réciter le chapelet, mais encore, je crois qu'elle ne le connaissait pas en entier. Très tôt, sa foi lui donnait envie d'être seule. Je ne me sentais bien que dans des endroits solitaires, où toute seule, je pouvais me rappeler les délices de ma première communion. Sa foi et peut-être aussi la dureté de sa mère. La petite Lucia était battue assez souvent par sa mère à coups de ceinturon. En conséquence de quoi, Lucia a supplié la Vierge de donner un signe. Et c'est ainsi que seule, elle passait ses journées à faire paître ses brebis sur la Cova da Iria. Jusqu'en 1915-1916, où elle vit l'ange qui lui demanda de continuer à prier et qui la prépara, elle et ses cousins, aux apparitions de 1917. C'est très intéressant de voir comment il y a eu une progression pédagogique, j'allais dire, de l'enseignement spirituel dès 1915. Après les révélations de la Vierge aux trois cousins, le 13 juillet 1917, François, Jacinthe et Lucie se sont sentis missionnés par Dieu.
mais elle l'avait annoncé. Le décès prématuré de Jacinthe et François arriva. C'est étonnant qu'elle leur annonce leur mort. Ils vont mourir en 1919 et en 1920. Lucie recommence sa vie solitaire, choisie dès son plus jeune âge, une vie consacrée à la Vierge. Lucie quitte sa région, son petit village de Fatima, peu après la mort de ses cousins. Elle se dirige vers Porto et après vers l'Espagne. Lucie va changer de monastère plusieurs fois, changer de nom plusieurs fois. Lucie s'isole de plus en plus, de gré ou contrainte par le Vatican. Dans les deux cas, il fallait de toutes les manières fuir sa popularité. Quand vous êtes témoin d'un événement extraordinaire, tout le monde va vous interviewer. Que ce soit Bernadette Soubirous ou Lucie, elles ont été effectivement l'objet d'une certaine curiosité. Cette curiosité a déplu, car on leur a demandé 100 fois, 1000 fois, de raconter la même chose. Pour le Vatican aussi, cette situation est insupportable. Des dizaines de milliers de personnes à travers le Portugal et l'Europe ont entendu parler de Lucie et des miracles de Fatima. La foule est chaque jour plus nombreuse à la Cova da Iria. Lucie est adulée, presque considérée comme une sainte. Alors que justement, elle avait reçu des secrets de la Vierge Marie. Alors que justement, c'était la confidente de Marie. Elle aurait pu rougir d'orgueil. Et l'Église est embarrassée par cette situation. Pour l'Église, il était souhaitable de les mettre un peu à l'égard de la curiosité. On avait peur qu'elle réponde un peu à côté de la plaque, car Lucie n'était pas une grande intellectuelle. On avait peur qu'on lui pose des questions pièges. Le Vatican est très partagé sur ces événements de 1917 à Fatima. On hésitait. Lucie était-elle une voyante ou une folle ? L'Église a été d'abord très réticente. Les curés des paroisses, les évêques ont d'abord estimé que c'était quelque chose sans intérêt et même de peut-être dangereux. C'est seulement 4 ans après, en 1921, que l'Église permet la célébration de la première messe à Fatima. Pendant 4 ans, Fatima n'existe pas pour l'Église. Et en 1921, le Vatican admet Fatima comme lieu de culte. Et puis, quand les curés, les évêques ont vu qu'il y avait du monde, qu'il y avait à Fatima comme à Lourdes des chrétiens sincères, qui venaient là, qui priaient, qui disaient le chapelet, ils ont autorisé les croyants à rendre un culte à Fatima. Mais sans reconnaissance officielle des événements de 1917, le Vatican ne pouvait toujours pas se prononcer sur Lucie et donc la laisser à la portée des fidèles. Le Saint-Siège missionne l'évêque de Leiria, José Alves Correia da Silva, pour enquêter sur ses apparitions et pour mettre Lucie le plus à l'écart du lieu de ses miracles. Et très vite, elle est écartée par l'évêque qui ne veut pas qu'elle devienne un objet de culte ou un objet de curiosité malsaine. Elle va dans un collège, sous anonymat. Le 17 juin 1921, il fait entrer Lucie au collège des Sœurs Dorothée, à Villar, près de Porto. Le jour de mon départ fut enfin fixé. La veille, le cœur serré et tout ému, je suis allée dire adieu à nos endroits préférés, bien certaine de les fouler pour la dernière fois. Lucie ne reviendra plus au village de Fatima. Elle a seulement 14 ans. 2 ans plus tard, Lucie est encore déménagée, cette fois en Espagne. D'abord à la Congrégation des Filles de Marie et moins de 3 ans après au noviciat des Sœurs Dorothée à Tuy, où elle changera même de nom en prenant celui de Sœur Marie des Douleurs. Nous sommes en 1926, Lucie n'a que 19 ans. C'est seulement à la fin des années 20, 1927-1928, que l'Église reconnaît que quelque chose a pu se passer. Mais l'Église ne sait toujours pas ce qu'elle doit penser de Lucie. Lorsque le 17 décembre 1927, elle dit avoir reçu un message de Jésus qui lui donnerait la permission de révéler une partie du secret, elle le rédige immédiatement pour son confesseur, Don Lino Garcia. Après sa lecture, il le lui fait brûler.
1930, l'évêque de Leria, José Alves Correa da Silva, et donc l'Église, reconnaissent le miracle de Fatima. Les apparitions ont alors été reconnues comme véritables. Et cela a été pour Sœur Lucie une très grande joie. Elle pensait qu'il y avait quelque chose d'important que lui confiait la Vierge. Elle devait le transmettre. Lucie va enfin pouvoir révéler les deux premières parties du secret. De 1935 à 1940, elle écrit à ses supérieurs pour leur dire l'importance de la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de la Vierge Marie. Le reste de sa vie, après les apparitions, a été vécu en fonction des messages que la Vierge lui avait transmis. Elle a eu comme mission principale de divulguer au monde entier le message de la Vierge. Mais elle n'aura jamais de réponse de ses supérieurs. Parmi eux, toujours l'évêque de Leria, celui qui a placé Lucie en Espagne, loin de Fatima. Nous sommes en 1939. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté, comme l'avait annoncé la Vierge à Fatima. Et le nouveau pape, Pie XII, est élu en mars. Une nouvelle période semble s'ouvrir et Lucie sait que désormais, elle devra passer par les papes pour communiquer au monde les messages de la Vierge. La figure du pape a été très importante dans la vie de Sœur Lucie. Elle essaie de les convaincre que ce message a une valeur futuriste qui fait qu'il faut que se méfie, que surtout ils encouragent la consécration du cœur de la Vierge à la Russie et ailleurs. Lucie va écrire les deux premiers secrets à Pie XII. Et le 18 avril 1942, le cardinal Schuster, proche du pape, publie une lettre pastorale dans laquelle sont révélées pour la première fois les prophéties concernant la Russie bolchevique et les demandes formulées par Notre-Dame de Fatima dans le secret du 13 juillet 1917. C'est la première reconnaissance officielle des messages que Lucie a reçus. Mais en octobre 1943, elle tombe très malade. Apprenant la nouvelle, l'évêque de Leria en profite. Et pour mettre court à cette religion mythologique et folklorique, l'évêque de Leria, à l'époque, va demander à Sœur Lucie, qui est religieuse, de mettre par écrit. Et il lui ordonne de rédiger le troisième secret, au cas où elle ne survivrait pas. L'évêque lui demande d'écrire. Elle l'oblige à écrire, au nom de l'obéissance. Sauf que, selon Lucie, la Vierge Marie lui aurait demandé d'attendre 1960 pour la révélation de la troisième prophétie. Lucie a alors l'idée de sceller le secret dans une enveloppe. José Alves Correa da Silva, le premier évêque de Leria, envoya cette enveloppe dans un coffre au Vatican. Mais lui et l'ensemble des supérieurs de Lucie vont devenir de plus en plus pressants pour qu'elle délivre ce troisième message avant 1960. Une seule solution, s'isoler pour de bon et revenir au Portugal. Heureusement, Lucie a un allié de poids, le pape Pie XII, qui prend très au sérieux les prédictions de la Vierge Marie. En 1947, Pie XII est très préoccupé par le communisme. Parce que l'Europe de l'Est a basculé et Pie XII a très peur que d'autres pays basculent. L'Italie, d'abord. Donc, effectivement, ces révélations de Fatima concernant notamment la Russie, sous-entendu communiste, s'intéressaient Pie XII. Il autorise Lucie à passer à l'ordre du Carmel dans lequel elle entre. Lucie prend l'habit de carmélite le 25 mars 1948 sous le nom de Sœur Lucie du Cœur Immaculé. Les Carmels, il y en a des centaines à travers le monde. On parle de Carmes pour les hommes, puis des Carmélites pour les femmes. Et donc les couvents de Carmélites, c'est des couvents de vie contemplative, c'est-à-dire qu'on est complètement en clôture. Hein. Les femmes, dans la tradition la plus stricte, les femmes ne rencontrent pas des personnes extérieures au monastère. Elles vivent donc derrière une grille, et c'est sûrement comme ça qu'a vécu Sœur Lucia pendant toute sa vie, derrière une grille, ne pouvant pas rencontrer d'autres personnes pour pouvoir être plus, se consacrer plus totalement à la vie de prière. Sœur Anne-Sophie a vécu avec Sœur Lucie les 10 dernières années de sa vie au Carmel de Coimbra. Sœur Lucie m'a marquée, tant au niveau de ma vocation que de manière plus personnelle. C'était très bon d'avoir pu la connaître. C'est quelque chose que je garde avec beaucoup de tendresse. Tout ce qu'elle a pu me dire, ce que j'ai pu vivre avec elle, c'était une très grande joie.
À l'intérieur du Carmel, Lucie est enfin libérée de toute pression de ses supérieurs. Le Carmel est une congrégation contemplative, avec une vie de prière assez dure, assez ascétique. Au Carmel, vous êtes en clôture. Donc il est très difficile à des gens de l'extérieur de venir interviewer une carmélite. Une vie de... où on essaye de ne pas se laisser perturber, déranger par les bruits du monde, pour mieux se concentrer dans la lecture de la Bible, la prière, la liturgie. Elles vont se consacrer aux autres d'une certaine manière en priant pour eux, en priant pour le monde, en priant pour la paix dans le monde. On peut dire que le Carmel vous isole des hommes. Finalement, Lucie obtient ce qu'elle espère depuis son plus jeune âge. Toutes ces carmélites, en fait, elles ont un destin. C'est-à-dire que depuis qu'elles sont petites filles, hein, elles disent à leurs parents, tu sais, quand je serai grande, je vais épouser le Christ. Une vie de solitude consacrée à Dieu. Avec une différence de taille, Lucie est la seule à connaître la dernière partie du secret de Fatima. Il ne fait aucun doute que pour Lucie, depuis toute petite, c'était très important d'avoir vu la Vierge. C'est ce qui a complètement changé sa vie, comme celle de Jacinthe et François. Elle ne pouvait plus continuer à vivre la vie normale qu'elle avait jusque-là. Mais le fait d'avoir écrit et scellé ce troisième secret va rassurer Lucie. Seuls les papes y ont accès désormais. Elle a confiance en eux. Ils vont le révéler car ce secret les concerne directement. J'admire beaucoup le courage de sœur Lucie, parce qu'elle était très petite lorsque Dieu lui a demandé quelque chose de très important. Sa vie n'a pas été simple. Elle a suivi un chemin difficile, avec beaucoup de contrariétés et de difficultés. Pendant ce temps, Pie XII, son allié, adresse une lettre à tous les évêques et les fidèles le 1er mai 1950. Il demande que tous se consacrent au cœur immaculé de Marie. En réponse, quelques mois plus tard, le 15 août 1950, Pie XII raconte qu'il est le témoin du même miracle du soleil que celui vécu par Lucie en 1917. Le 13 mai 1956, le cardinal Angelo Roncalli, patriarche de Venise, se rend à Fatima, où il préside le pèlerinage du 25e anniversaire de la consécration du Portugal au cœur immaculé de Marie. Elle a eu le privilège et la joie de rencontrer plusieurs papes, notamment à Fatima. En 1958, ce même cardinal devient pape et prend le nom de Jean XXIII. Dans deux ans, c'est lui qui devra révéler au monde le dernier secret de Fatima. Après 41 ans d'attente, Lucie n'est plus à deux ans près. Elle attend l'ouverture de l'enveloppe avec impatience. Mais en 1959, Jean XXIII lit la lettre scellée de sœur Lucie. Contre toute attente, il décide qu'il ne révélera jamais ses secrets et se met même à décrier les jeunes bergers et Lucie en particulier. Il scelle l'enveloppe à nouveau et la renvoie aux archives du Vatican. Le combat de Lucie va reprendre. Cloîtrée, contrainte au silence par ses vœux, pendant encore plus de 20 ans, elle va devoir se battre pour convaincre les papes que les messages de la Vierge doivent être révélés. Tout le monde attend la révélation de la dernière partie du secret, croyants et non-croyants. Dès 1947, tous les curés de la planète ont fait le serment à leurs fidèles que le troisième secret de Fatima leur sera révélé en 1960. Lucie attend elle aussi que Jean XXIII lise sa lettre et révèle au monde le message qu'elle a reçu 43 ans plus tôt. Il est très intéressant de souligner la relation de Lucie avec les papes et les papes avec Lucie, ou si l'on veut, de Fatima avec les papes et les papes avec Fatima. Rien ne va se passer comme Lucie et sans doute la Vierge Marie l'avait envisagé. Depuis le 28 octobre 1958, le nouveau pape Jean XXIII est Angelo Roncalli, celui qui a célébré deux ans plus tôt les apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Jean XXIII avait été représenté le pape lorsqu'il était encore cardinal. Il s'appelait alors cardinal Angelo Roncalli. Il était allé à Lourdes, il était allé à Fatima.
Le 17 août 1959, Jean 23 demande qu'on lui apporte l'enveloppe contenant le troisième secret de Fatima. Le pape hésite, attend et prie. Puis il ouvre l'enveloppe et lit le texte. Finalement, il renvoie l'enveloppe à nouveau scellée au Saint-Office, mais sans rien en révéler. Pourquoi ? Quel est ce secret inavouable ? Jean 23 était avant tout un diplomate. Il se méfiait énormément de tout ce qui pouvait laisser penser que l'Église était un peu naïve, un peu superstitieuse. Il avait peur du ridicule. Ces histoires de secrets, c'était pas tellement le style de Jean 23. En 1960, pourtant, nous sommes en pleine guerre froide. Le secret de Fatima déjà révélé, à savoir le danger de l'URSS pour le monde, est bien réel. Il savait très bien ce qu'un auditoire pouvait accepter ou pas. Mais il savait aussi que ce qui était contenu dans les messages dits de Fatima, c'était très important. Et lui-même avait bien vu ce qu'était le communisme. Il savait très bien que c'était une menace considérable pour de nombreux pays. Alors, Fatima, ce message sur la Russie, la conversion de la Russie, tout ça, c'était important. Jean 23 écrira qu'il se montre préoccupé par le message de Fatima. « J'ai consacré ma vie et le sacrifice de tout mon être à la participation à cette grande entreprise, la conversion de la Russie à l'Église catholique. » Jean 23 a donc officiellement admis que les deux premiers secrets étaient crédibles. Les papes sont frappés par le fait que la Vierge apparaisse. Ils ne peuvent pas contester cette idée que des enfants, qui sont des âmes pures, reçoivent un message qui leur est adressé à eux, qui sont en fait des innocents et qui sont un peu analphabètes. Mais alors, pourquoi occulter la troisième partie du secret ? Que pouvait-il y avoir d'écrit sur ce papier pour que le pape en refuse la révélation ? Inutile d'effrayer le monde. Les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont jamais les bienvenus. Donc je dis, bon, on met ça au rebut. L'a-t-il vraiment mis aux oubliettes ? Jean 23 a pourtant mis en place un des actes les plus importants du Vatican au XXe siècle, le Concile de Vatican II, la plus grande réforme de l'Église moderne. Jean 23 décide de convoquer un concile en janvier 1959. C'est une idée qu'il présente comme une idée providentielle. Simplement, le pape se dit qu'il faut que l'Église soit réformée. Il est assez moderniste dans ses lectures théologiques. La réforme de l'Église, pourquoi maintenant ? Se pourrait-il qu'il y ait un rapport avec le dernier message de la Vierge de Fatima ? Cette hypothèse est crédible. Jean 23 voulait en plus une réforme rapide. Il a envie de donner de l'air et il a dit « je veux ouvrir une fenêtre ». Il a pensé que le concile, c'est la réunion de tous les évêques du monde, et enfin les docteurs de l'Église, en 6 mois. Mais ça s'est mal passé. Jean 23 a en effet demandé de gros changements dans l'organisation du Vatican et de l'Église tout entière. Parce qu'il a demandé à préparer le programme à la Curie romaine, donc si vous voulez, aux 10 ministères qui représentent les dicastères, qui représentent l'essentiel du gouvernement central de l'Église. Et les dicastères étaient très réactionnaires. Donc on leur proposait des choses incroyables. On leur proposait la liberté religieuse, on leur proposait l'unité des chrétiens, on leur proposait de cesser la condamnation des juifs. La Curie romaine est l'organe qui dirige le Vatican. Sous l'autorité du pape, qui est un chef d'État, des dizaines de ministères gèrent depuis des siècles toutes les affaires du Vatican. Cette curie, très conservatrice, a souvent été plus forte que le pape, car en place et aux commandes depuis de nombreuses années avant l'élection du souverain pontife. La réforme de l'Église n'est pas une chose aisée à mettre en place. La curie romaine, c'est un certain décorum, un certain cérémonial. Ça dure depuis 2000 ans, qu'il y aurait eu 2000 raisons de disparaître, 2000 raisons d'être persécutées et détruites, et que c'est toujours là. Vatican II ne sera pas terminé à la mort de Jean 23 en 1963. Et l'une des dernières volontés du pape a été d'offrir au sanctuaire de Fatima sa croix pectorale en or et richement ornée. Certains y verront comme un cadeau pour demander pardon, pardon de n'avoir pu réformer l'Église. Encore une fois, l'hypothèse d'une demande de réforme dans le dernier message de Fatima se confirme.
Paul VI, nouveau pape élu, fera remettre cette croix au sanctuaire portugais et clôturera le Concile de Vatican II. Ce 21 novembre 1964, Paul VI prendra même l'initiative de parler de Fatima. Il reconnaît que cette apparition est un événement intéressant et qu'il y a une partie qui est une partie spirituelle et une partie qui est une partie pratique. Après avoir rappelé que Pie XII a consacré le monde au cœur immaculé de Marie, Paul VI termine par une ardente prière à la Vierge Marie, à qui il confie l'Église et le monde. Le 27 mars 1965, Paul VI demande lui aussi à voir l'enveloppe scellée de Lucie. Il l'ouvre, sort le document écrit par Lucie, le lit, le remet dans l'enveloppe et renvoie le tout aux archives du Vatican. Le fameux troisième secret dans la troisième enveloppe repart au Saint-Office et va dans les archives du Vatican à chaque fois. Ce qui est vrai, c'est que l'Église ne veut pas non plus que Fatima serve à une situation apocalyptique. Alors que font les papes les uns après les autres? Ils lisent ou ils ne lisent pas, bon. Mais ils écartent parce qu'ils préfèrent faire en sorte que l'Église avance avec ses propres moyens, sans être victime d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Jean XXIII et Paul VI pouvaient croire aux apparitions, prendre au sérieux les messages de la Vierge, mais ils ne pouvaient pas mettre leurs paroles en jeu. Jamais aucun pape ne prendra le risque d'exposer sa crédibilité et celle de l'Église à une apparition. Lucie, depuis le Carmel du Portugal, ne le voit pas ainsi. Elle sait sans doute l'urgence de la situation du monde et ce qui doit arriver si le Vatican ne fait rien. Mais après ses supérieurs, les papes ne veulent pas non plus de ce dernier secret. Le 13 mai 1967, elle sort de son silence. Pour le 50e anniversaire des apparitions, le pape Paul VI se rend à Fatima. Lucie demande à lui parler seul à seul. Paul VI ira et Sœur Lucia s'approche de lui. Elle lui dit, mais très Saint-Père, j'ai quelque chose à vous dire. Il ne veut pas entendre. Il la repousse avec toute la douceur de cet homme. Il la repousse. Paul VI refuse, mais l'emmène ensuite sur le devant du podium et ouvre les bras pour la présenter à la foule des pèlerins. Paul VI était fort intelligent, il avait très bien compris que s'il parlait à Lucie avec personne comme témoin, tout le monde dirait que c'était un nouveau secret. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils manigancent? Mais il était tout à fait d'accord pour voir la voyante dans la foule, mais pas en aparté. La papauté ne conçoit pas qu'on puisse prédire l'avenir. Parce que c'est des choses troublantes, mais l'Église ne peut pas accepter qu'on lui raconte son histoire avant qu'elle ne fasse l'histoire. Elle fait l'histoire. Le seul prophète qui, si je veux dire, annonçait tout juste, c'est le Christ. Donc la papauté ne peut pas accepter qu'on lui raconte son histoire avant qu'elle-même y ait contribué. Lucie a de nouveau échoué. Après Jean XXIII, Paul VI refuse d'écouter. Elle retourne au Carmel prier avec ses sœurs. Elle semble être la seule à vouloir mettre en lumière ce dernier secret. Bien qu'elle soit au couvent, éloignée du reste du monde, elle est le témoin de l'événement de Fatima. Et pourquoi c'est important de le souligner? Parce que la figure du pape est centrale dans le message de Notre-Dame de Fatima. Car pour Lucie, le dernier secret concerne en priorité un pape, et pire encore, l'assassinat d'un pape, et elle voudrait l'empêcher. Et la troisième partie, c'est cette grande vision qui a été rendue célèbre en 2000, là, quand elle a été révélée, de cet homme en blanc qui marche, accompagné de plusieurs autres, une foule, vers une montagne sur laquelle se dresse une croix en bois et qui est frappé par des flèches et des projectiles et qui meurt. Un homme en blanc qui meurt sous des projectiles. Pour Lucie, c'est le pape. Elle veut à tout prix le protéger. Mais il lui faudra attendre 10 années supplémentaires pour enfin pouvoir le dire à un pape. Le 6 janvier 1977, un cardinal du nom d'Albino Luciani, futur pape Jean-Paul Ier, vient à Fatima et se rend même au Carmel de Coimbra, celui de Sœur Lucie.
Albino Luciani, qui s'appelle Albin Galblanc, reçoit la sœur Lucia et elle lui raconte le troisième secret. Il est tellement ému que l'histoire de l'entretien n'a pas son secrétaire particulier, plus pâle que la mort, parce qu'elle lui explique que ce sera un homme blanc. Lucie lui révèle que le troisième secret concerne l'assassinat d'un évêque en blanc, donc le pape. La troisième partie du secret nous renvoie précisément à cette image. Nous voyons un évêque vêtu de blanc, suivi d'une foule de croyants, de religieux, de prêtres et de laïcs qui offrent leur vie pour cette ville en ruines. Le futur pape Jean-Paul Ier le prend pour lui. Et Lucie, ce jour-là, lui fait même une prédiction personnelle. Sœur Lucie fait partie des nombreuses voyantes qui ont prédit que ce pontificat serait très très court. Celui qui va devenir Jean-Paul I est venu la voir. Et elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit « Pour vous, les jours du Christ ». Et il n'a pas compris. Il a fait exactement 33 jours en tant que pape. Le 26 août 1978, le cardinal Albino Luciani devient Jean-Paul Ier. On ne sait pas s'il a pris connaissance du troisième secret, mais il dit « Si je vis, je retournerai à Fatima ». Il n'en eut pas le temps, il décède un mois plus tard. La prophétie du dernier secret s'est-elle enfin accomplie? Non, le message disait que le pape allait mourir assassiné par une balle. Après les révélations de la Vierge à Fatima en 1917, Lucie a tenté de prévenir sa hiérarchie, mais on l'a éloignée. Elle a tenté de prévenir les papes directement, mais on ne l'a pas cru. Pourtant, le prochain pape pourrait être celui désigné dans la troisième partie du secret. Ce nouveau pape est élu le 16 octobre 1978. C'est un Polonais, né après 1917. Il s'appellera Jean-Paul II. Le 16 octobre 1978, Jean-Paul II est élu pape. Il ne le sait pas encore, mais c'est lui, le pape tant attendu par Lucie, le pape désigné par la Vierge Marie, le pape qui révélera le troisième secret de Fatima officiellement. La dernière partie a fait l'objet de nombreuses interprétations. Elle était assez orientée vers le pape, et on pense à Jean-Paul II le 13 mai 1981. Jean-Paul II, au début de son pontificat, ne pense pas vraiment à Fatima. Fatima, quand Jean-Paul II a été élu, ce n'était pas une préoccupation majeure. Il n'y avait pas de problème, il y avait un pèlerinage annuel qui rassemblait plusieurs millions de personnes. Mais l'attentat, effectivement, a changé beaucoup de choses. Jean-Paul II, qui avait un culte marial plus grand encore que ses prédécesseurs, était attaché à la Vierge de Częstochowa en Pologne. La Vierge de Fatima n'était pas une préoccupation majeure. Nous sommes le 13 mai 1981, 64 ans exactement après les premières apparitions de la Vierge. Il était à Rome pour célébrer les apparitions de Fatima et il a subi un attentat. Le 13 mai, c'est un mercredi, au coup de 3h30, alors que le pape faisait son tour en papa mobile, au pied de la porte de bronze. Ali Aksa et un complice lui ont tiré dans le ventre. Mehmet Ali Aksa, un jeune Turc de 23 ans, déjà condamné dans son pays pour assassinat, fait feu sur le pape avec un pistolet automatique 9 mm à une distance de moins de 6 mètres. Jean-Paul II est atteint par 3 balles. À 16h31, toutes les radios italiennes annoncent la mort du pape. Il est vrai que Jean-Paul II aurait dû succomber à une telle agression. Le récit de la survie du pape est un récit apocalyptique, c'est un fait, puisque la Providence s'en est mêlée, puisque
la personne qui aurait pu l'opérer n'était pas là, il revenait exprès de Milan, que la personne qui était là par hasard, et qu'en fait le pape perdait son sang d'une façon telle sur l'abdomen qu'en principe il aurait dû y laisser la vie. Jean-Paul II survit, mais pas par hasard. Jean-Paul II a dit qu'il avait senti qu'une main avait fait dévier la balle qui aurait dû normalement perforer son cœur. Il aurait dû mourir sous la balle de Ali Aka. Certains auraient calculé l'angle de tir et la trajectoire probable du projectile et que le projectile aurait été dévié dans le corps même de Jean-Paul II. Je crois au miracle. Je crois très possible qu'effectivement cette déviation de trajectoire ait eu lieu et que le pape ait été vraiment sauvé et en même temps le jour de l'anniversaire des apparitions. Alors la grande phrase, qui est une très très belle phrase, c'est que la main qui a tiré sur moi a été déviée par une main qui a empêché ma mort. Jean-Paul II n'a aucun doute concernant celle qui a détourné cette balle. Il s'agit bien de la Vierge Marie, la Vierge de Fatima. C'est à ce moment-là qu'il décide d'associer, si je veux dire, dans son esprit, la Vierge Stekova et la Vierge Fatima. Jean-Paul II échappe à cet attentat. Et il a cru jusqu'à la fin de sa vie que c'était grâce à l'intervention de Notre-Dame de Fatima. Il n'est pas mort car Notre-Dame de Fatima ne le voulait pas. Il a tout de suite dit, dès qu'il a retrouvé tous ses sens, dès qu'il a été conscient, qu'il fallait qu'il remercie la Vierge de Fatima, que c'était elle qui l'avait protégée. Le 17 mai 1981, au service des soins intensifs, le pape lit dans un micro de Radio Vatican, d'une voix faible, tremblante et brisée par la douleur, un Regina Caeli très bref. Chers frères et sœurs, je sais que ces jours-ci, vous êtes unis avec moi. Merci. Je suis très ému par vos prières et vous bénis tous. Je prie pour le frère qui m'a tiré dessus, que j'ai sincèrement pardonné. Je vous offre mes souffrances pour l'Église et pour le monde. Toujours immobilisé sur son lit d'hôpital, Jean-Paul II se fait apporter les meilleurs ouvrages sur Fatima. En les lisant, il est frappé par l'incroyable justesse des différentes prophéties contenues dans les paroles de Notre-Dame, délivrées le 13 juillet 1917. Lorsqu'il y a eu cet attentat, il est tout à fait normal que Jean-Paul II ait songé à Fatima, dont les secrets seraient en partie liés d'une part à la Russie, devenue communiste, et d'autre part, pour un troisième secret, à un homme en blanc, qu'on dit être le pape, qui aurait été victime de soldats, d'adversaires. Donc il a pensé à ça, c'est normal. Nous sommes le 18 juillet 1981. À la demande de Jean-Paul II, l'enveloppe contenant la troisième partie du secret de Fatima quitte les archives du Saint-Office pour la polyclinique Gemelli, où il est à nouveau hospitalisé. Jean-Paul II prend connaissance du texte. Je crois qu'il s'est tout de suite identifié dans cette première lecture avec ce pape vêtu de blanc. Ce serait difficile de ne pas se reconnaître dans cette image si frappante et si forte d'un évêque à terre, comme mort. Mais Jean-Paul II rend l'enveloppe, qui retourne aux archives. Jamais aucun pape ne prendra le risque d'exposer sa crédibilité et celle de l'Église à une apparition, jamais. Or, si Jean-Paul II avait dit « Voilà le troisième secret de Fatima », il aurait engagé sa crédibilité. À moins que ce dernier secret ne contenait d'autres révélations. Dans tous les cas, son pontificat va être totalement bouleversé à partir de ce moment. C'est à partir du moment où Jean-Paul II décide ça, ça change tout. Parce qu'il va se rendre l'année d'après à Fatima. Il va y aller ensuite trois fois de suite, toujours à 13 mai.
Il va béatifier les pastoraux. Il va recevoir sœur Lucie. Enfin, enfin un pape considère que Lucie est un personnage primordial, incontournable. Quelque chose les a symboliquement unis, de manière très concrète. Il y a eu de nombreux échanges de lettres, de gestes tendres et d'affection entre Jean-Paul II et sœur Lucie. Avec Jean-Paul II, il y a en effet une relation très spéciale jusqu'à son dernier souffle. Un échange très fréquent de lettres. Et Jean-Paul II n'aura de cesse de remercier la Vierge de Fatima et d'acter dans le sens de ses messages prophétiques. Un des plus importants est celui du 25 mars 1984. Le jour de la fête de l'Annonciation, il demande à tous ses cardinaux de procéder ensemble à la consécration de l'URSS au cœur immaculé de Marie, 67 ans après que la Vierge l'a demandé à Lucie. Consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, c'est que le peuple russe, ses dirigeants, aient justement ses sentiments intérieurs. Et les sentiments intérieurs de Marie, c'est Dieu est mon meilleur ami. Dieu est mon meilleur allié. Quatre ans plus tard, le mur de Berlin tombe et comme un château de cartes, le bloc soviétique s'écroule. Ce n'est pas le seul fait troublant sous le pontificat de Jean-Paul II. Il va également offrir une des balles qu'on a tirées sur lui en 1981. Il a même rendu grâce de manière très concrète en faisant sortir la balle qu'on avait retirée de la plèvre, de son poumon. Il a fait sortir cette balle pour la mettre dans la couronne de la Vierge. Et pour montrer sa reconnaissance, il vient à Fatima l'année suivante, en 1982. Il apporte la balle qui avait été retirée de son corps et offre cette balle à la Vierge. On a découvert que sous cette couronne, il y avait un orifice où la balle a été placée, exactement dans cet espace où elle est toujours aujourd'hui. Sans colle, sans aucune fixation, ça donne l'impression que la balle était prévue pour être exactement à cette place. Ce qui est extraordinaire, c'est que la balle qu'il a remise se logeait exactement au centre de la croix, qui est au centre de la couronne. Comme si l'emplacement avait été prédestiné. Le pontificat de Jean-Paul II sera unanimement applaudi. Il a modernisé l'Église, malgré la curie conservatrice. Il a été celui qui a décidé de révéler le dernier secret lors de la béatification de François et Jacinthe, les cousins de Lucie, partis trop tôt. C'est aussi un événement historique, parce qu'ils sont les premiers enfants non martyrs à être reconnus. C'est le pape Jean-Paul II qui a eu le courage d'assumer que ces deux enfants ont eu une vie de sainteté. Et portanto, creio que esse é um momento decisivo. Je crois que c'est un moment décisif, car en 2000, il comprend qu'il est temps d'offrir au monde entier cette troisième partie du secret. Le 26 juin 2000, dans la salle de presse du Vatican, journalistes, photographes et télévisions du monde entier accourent pour la divulgation du secret de Fatima par le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et son secrétaire à la Congrégation de la Doctrine de la Foi, le cardinal Tarcisio Bertone. Ce sont eux qui ont préparé cette révélation. Vediamo qui raffigurata in un'istantanea e con un linguaggio simbolico di difficile decifrazione la chiesa dei martiri del secolo ormai trascorso. Nessun grande mistero viene svelato, il velo del futuro non viene squarciato. Lucie a réussi à transmettre le message de la Vierge grâce à Jean-Paul II. Et toujours, il gardera avec sœur Lucie une relation particulière, comme s'ils étaient tous les deux des survivants, grâce à Marie. Et la dernière chose que Lucie fait en pleine conscience, c'est de lire la carte que Jean-Paul II lui envoie. Il lui souhaite du bien dans ce moment difficile, l'approche de sa mort.
Ils ont même échangé un chapelet, leur dernier chapelet à tous les deux. Elle est même décédée avec ce chapelet dans les mains. C'était comme un signe de l'union entre elle, le Saint-Père et l'Église. Ce chapelet avec lequel elle avait prié, nous l'avons fait remettre à Jean-Paul II. Et selon le secrétaire du pape, lui aussi est décédé avec le même chapelet entre les mains. Le 13 février 2005, Lucie peut enfin reposer en paix après 87 années à garder en elle le secret, après l'avoir transmis au pape Jean-Paul II, qui la rejoindra le 2 avril de la même année. L'histoire se conclut-elle ainsi? La Vierge Marie a annoncé la Deuxième Guerre mondiale. Elle a lieu. Elle demande qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé. Jean-Paul II le fait, et quelques années plus tard, le bloc soviétique s'effondre. Elle prévient qu'un pape va mourir sous une balle, et cette balle se place exactement sous la couronne de la statue de la Vierge de Fatima. L'histoire se terminerait ainsi, sauf que... Mais c'est pas un troisième secret. Notez bien que le pape Jean-Paul II n'est pas mort dans l'attentat. Jean-Paul II n'est pas mort. Il a été sauvé par la Vierge. Quelque chose ne colle pas dans les prophéties. L'attentat du pape ne serait donc pas le troisième secret, ou ne serait-ce qu'une partie de cette dernière prophétie? Est-ce que ça concerne l'attentat contre Jean-Paul II? Je ne sais pas. Depuis la révélation de l'an 2000, ce dernier secret ne convainc pas. Il est pour beaucoup incomplet. Trop de questions restent sans réponse. Je pense que ça peut être à double sens, cette vision. Elle peut peut-être aussi laisser présager quelque chose de futur. Et d'ailleurs, pourquoi Jean-Paul II a-t-il déclaré, en parlant du dernier secret, « Nous devons nous préparer à subir, dans un temps qui est proche, de grandes épreuves, lesquelles exigeront de nous une disposition qui pourrait nous conduire jusqu'au mépris de la vie. Il n'est plus possible de s'en détourner, car c'est seulement ainsi que l'Église peut être définitivement rénovée. » Pourquoi les papes depuis 1960 semblaient ne pas y prêter attention? Jamais le Saint-Siège ne laisse de côté une apparition de la Vierge. Pourquoi la description du troisième secret par Lucie semble-t-elle plus longue? Le message global qu'elle propose est de 22 lignes, c'est très long pour un discours. D'autres hypothèses ont alors germé. L'assassinat du pape ne serait qu'une image, un symbole qui expliquerait un phénomène plus profond, la fin de la papauté. Dans le troisième secret de Fatima, il y avait l'annonce de l'effondrement de l'Église. La fin de la papauté. La fin de l'Église, déjà exprimée dans une autre prédiction bien connue du Vatican, la prophétie des papes. Ça correspondrait au fameux texte de Malachi qui dit qu'avec le dernier pape, Vatican, Rome sera détruite. La fin de l'Église. La fin du Vatican, la fin de la papauté. Cette prédiction est présente dans de nombreuses prophéties. La plus connue est la prophétie de Saint Malachi, autrement appelée la prophétie des papes. Ce texte est archivé à la bibliothèque de Lyon dans le livre « Lignum Vitae », écrit par Arnold de Vion, le moine qui a découvert cette prophétie en 1495. Malachi d'Armac, un évêque irlandais du XIIe siècle, a une vision alors qu'il se rend à Rome en 1140. Une vision des 111 papes qui se succéderaient depuis Célestin en 1143 jusqu'au dernier pape de l'histoire de l'Église. Après ce 111e pape, la prophétie indique la fin, c'est-à-dire un dernier pape qui verra l'effondrement du Vatican et la fin de la papauté. Selon cette liste, François est l'avant-dernier pape. Celui qui lui succédera s'appellera Pierre le Romain et il verra la fin de l'Église en 2027. Les différentes enquêtes sur ce document ont montré la troublante similitude entre ces écrits et la liste réelle des papes. L'enquête a aussi mis en évidence l'étonnant attachement du Vatican à cette prophétie. La disparition de la papauté fait partie des plus grandes craintes du Vatican. La dernière partie des révélations de la Vierge à Fatima pourrait-elle aussi avoir pour propos la fin de la papauté?
Il y a toujours eu dans les messages de la Vierge le sentiment, effectivement, d'une fragilité de la papauté. Sur la forme, comme sur le fond, plusieurs arguments vont dans ce sens. Sur la forme d'abord. Pie XII avait ce secret en sa possession depuis le 4 avril 1957. Le magazine Paris Match réalisa un reportage sur la mort de Pie XII, publié le 18 octobre 1958. On y voit une photographie étonnante, une petite boîte en bois posée dans la chambre du Saint-Père avec la mention « Secretum Sancti Officii », les secrets du Saint-Office, où se trouvent les récits des apparitions. Donc en 1958, le secret n'est pas encore dans les archives du Vatican. Et Jean XXIII, selon la tradition des scellés, a récupéré l'appartement de Pie XII exactement comme il l'avait laissé. On va casser son anneau, on va sceller son appartement pour montrer que, voilà, pour l'instant, il n'y a plus de pape. Pour l'instant, c'est fini. Pour l'instant, il y a une vacance du siège de Pierre. Jean XXIII a eu lui aussi accès à l'enveloppe de Lucie. Ce qui étonne depuis 1960, c'est le dédain officiel de Jean XXIII et même de Paul VI envers ce secret. À chaque lecture du troisième secret, l'enveloppe est ignorée. À chaque fois, le fameux troisième secret dans la troisième enveloppe repart au Saint-Office et va dans les archives du Vatican, à chaque fois. Or, ils ont forcément pris en compte le message de la Vierge. Et tous deux, Jean XXIII et Paul VI, alors qu'ils dénigraient officiellement les prédictions de Lucie, ont consacré leur pontificat à la Vierge de Fatima. Jean XXIII a offert sa croix pectorale au sanctuaire. Et Paul VI enverra une rose au sanctuaire de Fatima. Et lors de la révélation officielle du texte de Lucie le 26 juin 2000, beaucoup d'incohérences sont notées. Le secret est révélé longtemps après l'attentat contre le pape. Peut-être que le Vatican a cru vraiment à cette version qui disait que l'un des leurs subirait tôt ou tard un attentat. Mais pour les catholiques, ça ne tient pas vraiment. Quand ils ont décidé enfin de publier le troisième secret, ils ont encore mis, je crois, au moins 3 semaines avant de le faire. Mais s'ils étaient décidés à le faire, ils pouvaient le faire dès le lendemain. Parce que le portugais est quand même une très grande langue dans ce monde, donc on ne manque pas de gens capables de traduire du portugais dans n'importe quelle langue. En 2005, le secret est officiellement révélé depuis 5 ans. Pourtant, à la mort de Sœur Lucie, le cardinal Bertone du Vatican s'est précipité et a fait sceller la porte de sa cellule comme si c'était le lieu d'un crime. Le même cardinal Bertone qui a révélé le troisième secret à la presse en l'an 2000. Se pourrait-il que Lucie n'ait pas tout écrit dans l'enveloppe donnée au pape ? Après sa mort, nous avons retrouvé d'autres de ses écrits qui sont actuellement en cours d'étude. Donc, même le texte officiel peut être mis en doute. D'ailleurs, si Lucie voulait à tout prix rencontrer en personne les papes, ne serait-ce pas pour compléter ce message ? Un autre texte a été donné par Benoît XVI en compagnie de Bertone, mais c'est malheureusement ce texte n'est absolument pas crédible. La troisième partie, je pense à l'évidence qu'elle n'a pas été communiquée aux catholiques. Celui qui a fait l'interprétation théologique de ce secret était le cardinal Ratzinger, le futur pape Benoît XVI. Il a fait une interprétation, mais qui n'a pas été bien perçue par les gens. Après la forme, c'est donc le fond de la troisième partie des révélations qui est remis en cause. Ce secret, tel qu'il a été révélé, est certes fort, puisqu'on parle de l'assassinat du pape, mais pas au point que deux papes se refusent à le communiquer. Et surtout, Jean XXIII disait, si les gens connaissaient le secret de Fatima, ils se précipiteraient dans la première église et se mettraient à prier à genoux. Quel pourrait être cet autre secret qui aurait fait si peur au pape ? Ce qui est probable, c'est que dans le troisième secret de Fatima, il y avait l'annonce de l'effondrement de l'Église. La troisième partie du secret nous renvoie précisément à cette image. Nous voyons un évêque vêtu de blanc, suivi d'une foule de croyants, de religieux, de prêtres et de laïcs qui offrent leur vie pour cette ville en ruines. La Vierge annonce qu'il n'y aura plus de pape. C'est la fin de l'institution telle qu'elle est construite. Et cette hypothèse pourrait correspondre aux actes des papes depuis 1960.
Car depuis Jean XXIII, c'est la réforme de l'Église qui est au centre des intentions, au centre des actions des différents pontificats. Le message de la Vierge Fatima pourrait en effet concerner l'éloignement du Vatican des tâches originelles de l'Église. Vous savez, l'Église, il y a longtemps qu'elle s'est éloignée de la préoccupation des gens, hein, des gens normaux, j'entends. Hein. Le Vatican, même dirigé par le pape, est une institution sclérosée, gérée par une curie très conservatrice. Jean XXIII a tenté une grande réforme avec Vatican II. Jean XXIII décide de convoquer un concile en janvier 1959. Le pape se dit qu'il faut que l'Église soit réformée. Mais ça s'est mal passé. Paul VI a voulu continuer. Paul VI disait que la fumée de Satan s'était élevée au sein du Vatican. On voit, si vous voulez, la dégénérescence interne du Vatican. Jean-Paul II a tout essayé, mais malheureusement, il s'est heurté à cette autre partie qui a strictement refusé. Benoît XVI n'a même pas essayé. Benoît XVI aurait même démissionné, se sentant incapable de réformer le Vatican. Même Jean-Paul II, qui a transformé l'Église avec des actes très forts d'évangélisation, comme la création des Journées mondiales de la jeunesse ou l'application de Vatican II, n'a pas réussi à faire bouger la curie romaine. C'est pas possible d'aller plus loin. Le Vatican est complètement ficelé par toute une série de cardinaux. En 1984, Benoît XVI, à l'époque encore cardinal Joseph Ratzinger, a répondu à une interview du magazine catholique Jésus. Il révéla avoir lu le troisième secret et qu'il se réfère à des dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien, et donc du monde. Des paroles confirmées par le troisième évêque de Fatima, Monseigneur Alberto Amaral, dans un discours à Vienne le 10 septembre 1984. La perte de la foi d'un continent est pire que l'anéantissement d'une nation. Et là, à mon avis, le secret prend tout son sens. La Vierge a été claire. Si l'Église ne rassemble pas les hommes, elle ne pourra pas les sauver. La désertification de l'Église en est un signe incontestable. Le nombre de fidèles s'effiloche déjà depuis quantité d'années. Moi, quand j'étais ordonné prêtre en 1960, il y avait encore, tous les dimanches, en France, 47% de la population qui se trouvait physiquement présent dans l'église le dimanche. Maintenant, c'est 4% à peu près, c'est l'effondrement complet. Et en une génération, la mienne, j'ai vu ça disparaître en très peu de temps. Vous savez, toute réalité se traduit par des chiffres. Si vous regardez le nombre de prêtres aujourd'hui qui sont en formation par rapport à ce qu'on avait il y a 40 ans, par exemple, c'est 1 pour 400. Il y a une crise, il y a une véritable crise. Les églises sont vides, les églises sont fermées. Le Vatican vend ses églises. Depuis 100 ans, la Vierge a tenté de prévenir l'Église, a tenté de faire bouger l'Église à travers Lucie. Quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, on se dit que beaucoup de choses aurait pu être évité de la situation actuelle si on avait écouté ce qu'elle nous avait demandé. L'Église doit donc se réformer, doit totalement se réinventer pour aider les hommes. Elle n'est pas là pour se reposer béatement sur ses lauriers. Jésus ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Hein. Il a dérangé. Et je vois que l'Église, si elle est fidèle au Christ, elle dérangera aussi toujours. L'Église doit déranger pour sauver les hommes. Et le dernier pape semble être celui qui dérange le plus. Le pape François semble être le plus réformateur des papes. Il dit vouloir revenir aux sources de l'Église, pauvreté, simplicité. Il est en train de demander que l'Église, enfin, revienne aux valeurs évangéliques et soit témoin auprès du peuple, et pas seulement du peuple de Dieu, auprès de ceux qui sont loin, auprès de ceux qui souffrent, auprès des pauvres, etc. Si François, 100 ans après les apparitions de Fatima, commence à changer l'Église, c'est peut-être qu'il sent qu'on arrive au bout du message de la Vierge Marie, qu'il n'a plus le choix, il faut urgemment lui obéir. Je vois que c'est ça. Pour moi, Fatima n'est pas terminée, loin de là. Je pense que Fatima ne fait que commencer. Reste-t-il encore des questions? Pourquoi fallait-il attendre 1960? Pourquoi la Vierge aurait-elle fait attendre Lucie 43 ans avant de mettre en garde les papes contre la fin programmée du Vatican? Peut-être parce que la Vierge est là pour régler nos urgences, nos problèmes, au moment où ils peuvent être réglés.
Elle vient secourir. C'est comme une attention maternelle. Elle prend soin de l'humanité. Avant tout, quand Notre-Dame apparaît, c'est toujours en cas d'urgence. Cette urgence se retrouve dans toutes les apparitions mariales. Le 19e siècle et le début du 20e ont été les grandes périodes des apparitions mariales. Fatima, c'est très lié à la Première Guerre mondiale. Lourdes, c'est lié à la maladie, à la tuberculose. La Vierge Marie est en effet apparue à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858 dans la grotte de Massabielle. La jeune adolescente de 14 ans y creusera un trou d'où jaillira une eau qui aurait contribué à 69 guérisons miraculeuses aujourd'hui reconnues par l'Église. En 1960, les deux guerres mondiales sont terminées. Les maladies les plus graves se guérissent. La prochaine urgence est donc bien de préserver une foi en danger. C'est cela que Lucie a tenté de communiquer toute sa vie. La situation actuelle semble nous faire comprendre que ce message n'a pas été perçu correctement. Trop de conservatisme, pas assez de foi. Qui sait ? La Vierge Marie viendra peut-être nous revoir prochainement. On peut même imaginer aisément à qui elle s'adressera. Elle prend toujours des enfants qui ne savent pas encore lire ou qui parlent le patois. C'était d'abord toujours à des jeunes, à des enfants, des adolescents. Hein, à Lourdes, donc Bernadette Soubirous qui a 14-15 ans au moment des apparitions. À Fatima, c'est trois enfants qui ont respectivement 10 ans, 9 ans et 7 ans. À la Salette, c'est aussi des enfants. Des jeunes de milieux extrêmement modestes qui ont l'innocence, la pureté, la naïveté aussi de l'enfance. Et donc, ils n'inventent pas, ils répètent ce qu'on leur aurait dit d'en haut, un ange, une dame, etc. Le prochain message sera donc délivré à des enfants, car la Vierge Marie reste la mère de l'humanité. Quel que soit le lieu de ses apparitions, la Vierge Marie a une responsabilité envers l'humanité. Plus que jamais, le message de Fatima reste actuel. Le pape François l'a dit récemment, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Par morceaux. Par le terrorisme. Par la crise économique. C'est un message qui vient remettre en cause nos prétendues certitudes que la vie humaine vaut pour le pouvoir et l'argent. Ça répond quelque part à une angoisse, à une anxiété, et ça rassure que la Vierge vienne s'intéresser et s'occuper de ses enfants. Dans une église en perte de foi, la Vierge Marie propose de la prier pour ne pas l'oublier. Ne pas oublier qu'un jour, nous allons la rejoindre. Le message, il est spirituel. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où la mort n'existe pas. Effacer le vieillissement, effacer l'âge, et techniquement, on veut effacer notre propre mort. La Vierge essaie de nous prévenir qu'il faut également préparer l'autre vie. Même si Lucie a échoué dans la communication de son message aux différents papes, elle a réussi à sanctuariser son village natal. La boucle est bouclée. Lucie voulait prier dans une région qui devenait athée. Elle a amené à Aljustrel non seulement l'Église, mais aussi des fidèles par millions. On considère qu'il y a plus de 6 millions de pèlerins qui viennent chaque année et qui viennent surtout pour le 13 mai, qui est la date anniversaire de la première apparition. Fatima au Portugal est aujourd'hui un sanctuaire mondialement connu. C'est un lieu de pèlerinage comme tous les lieux de pèlerinage, tous les sanctuaires mariaux. Mais c'est surtout un lieu où on vient se confesser, où on vient retrouver la paix du cœur en particulier. Les personnes viennent à Fatima par dévotion, parce qu'elles croient. Il y a une différence entre être catholique et croire en Fatima. Ce n'est pas exactement la même chose. Et Lucie a réussi à exporter son village de Fatima à travers le monde. On aura, par exemple, des paroisses Notre-Dame de Fatima, des séminaires dans le monde entier, y compris en Afrique. Ce message-là, il a traversé les siècles et il a traversé les océans ou les déserts. C'est ça l'important. L'Église semble commencer son changement. Aux hommes désormais de commencer le leur.
Si on veut un changement de l'humanité dans le bon sens, entre guillemets, vers plus de paix, plus de justice sociale, etc., il faut que chacun s'y mette. Ce n'est pas en attendant que l'autre change qu'on va changer le monde. Jusqu'au prochain message de la Vierge, qui, espérons-le, sera plus écouté que celui transmis à Sœur Lucie il y a déjà 100 ans.